Bonsoir Angoulême, bonsoir l'Alpha. Je suis très content d'être parmi vous ce soir, en compagnie d'Éric Dufaux, pour partager un moment privilégié unique entre musique et dessin. Je vais vous interpréter ce soir des morceaux issus de mes anciens opus, mais également et surtout des morceaux de mon prochain album. Ce sont des musiques très intimistes, assez épurées. Du coup, le concert le sera également, mais ça tombe bien, on est dans une belle salle chaleureuse et cosy. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon concert et de passer un agréable moment. Et je vous remercie d'être venu ce soir.
Alors, comme vous l'avez peut-être vu ce soir, je vais jouer des morceaux qui sont soit purement instrumentaux à la guitare ou au piano, soit des morceaux avec, où je vais jouer, bien entendu, mais des parties que j'ai déjà préenregistrées et des parties que je vais jouer et que je vais faire entrer dans une boucle afin qu'elles soient rejouées plus tard dans le morceau. Donc, c'est un peu la trame qui va égrener le concert jusqu'au bout. Là, je vais jouer deux morceaux de mon prochain album, dont un qui est sorti durant le confinement sur un 4-titres acoustique que j'ai publié parce qu'il me semblait important de partager de la musique et des émotions durant cette période qui a été un peu difficile et étrange. Donc voilà, elle s'appelle Le Chemin.
Alors, le prochain morceau que je vais vous interpréter est le morceau qui a donné le nom à mon prochain album, qui s'appelle Homme. C'est un morceau un peu spécial. Du coup, c'était une musique qui a été créée autour d'un texte. Du coup, je vais vous lire ce soir, enfin interpréter le texte sur la musique que j'ai déjà préenregistrée en grande partie. Voilà. Il est là, tapis à mes pieds, le bruit du monde. Ce ressac incessant, d'où jaillissent parfois quelques larmes d'écume, dont le scintillement soudain déchire ces ombres qui dansent. Elles dansent autour de moi, autour de nous, les ombres du vent. Le regard planté au loin, j'embrase cet horizon vers lequel ne peuvent encore porter les yeux. Cette ligne suspendue entre ciel et terre. L'obscurité est insondable, mais déjà, derrière cette porte entrouverte, filtre une lumière. L'aube. Sens-tu le parfum ocre de la terre, la morsure du froid et cette caresse, celle de la brume sous ta main? Il y a désormais un mouvement tenace et imperceptible, celui des vagues dans mon corps, comme la promesse d'un rivage encore invisible. Et puis là, la surface, juste au-dessus de l'horizon, ce silence impénétrable, celui de nos propres cimes, cette ligne suspendue entre ciel et terre, où brillent les ultimes lumières du crépuscule, et naissent peu à peu celles de la nuit. Je suis prêt à partir. Tu as dit que les lignes de la vie sont comme celles du temps, qu'elles se dessinent au fil des couleurs que l'on dépose dans nos sillages, que derrière nous, on ne laisse finalement que les reflets de notre passage. Des souvenirs comme des cartes postales. Alors, laisse-moi me fondre une fois encore dans le bleu du ciel, fermer les yeux, voir au-delà des échos de nos propres peurs, et déchirer les voiles pour laisser le vent m'emporter au loin, une dernière fois, et vivre. Je vais enchaîner avec deux morceaux à la guitare qui ont des sonorités un peu flamenca. Donc s'il y a des amateurs dans la salle, ça devrait éventuellement vous parler. C'est un morceau inédit qui n'est pas encore sorti et un autre morceau qui est paru sur un ancien album en 2013.
C'est un morceau que j'ai tenu à vous jouer parce que pour moi, il véhicule beaucoup d'émotions et j'espère que ce soir, je pourrai vous les transmettre. Thank you.
Je vais vous interpréter là aussi deux morceaux inédits, un qui est tiré de mon prochain album, qui sortira donc à la fin de l'année, et un qui n'a jamais été enregistré et qui sera sûrement une phase B, mais que j'aime bien aussi. Donc c'est pour ça que je le joue. Thank you.
Bon, c'est déjà la fin. Je vous ai interprété un dernier morceau au piano qui s'appelle Fin, ça tombe bien. En tout cas, j'étais très content d'être parmi vous ce soir en compagnie d'Elric. Je voulais remercier l'Alpha ainsi que toute l'équipe de l'Alpha qui m'ont invité, qui m'ont fait confiance. Et merci à vous aussi d'être venus, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée et un agréable moment. Thank you.